Salut les gars, c'est Joe. Oui, voilà, la première vidéo, vous l'attendiez, elle est là, c'est parti, tout de suite. On est excité forcément pour la reprise, c'est normal, aujourd'hui on va se poser. On va se poser la question, qu'est-ce que sera l'équipe de France dans 10 ans sur FUT? Je vous ai concocté une petite équipe avec mes 11 prédictions des joueurs meilleurs à leur poste. Alors bien sûr, je peux pas anticiper les futurs Mbappé, les futurs Dembélé qui vont éclore dans 6 mois, mais j'ai essayé de faire à l'heure actuelle. Est-ce qu'on a des générations sympas et est-ce qu'on peut construire quelque chose de sympa sur FUT? Si le concept te plaît, il y a toujours le petit pouce en l'air qui est disponible sur YouTube, ça n'a pas changé. Voilà, et en tout cas, bah les mecs, c'est parti, mais juste avant, on va s'ouvrir 3 petits packs parce que c'est mon retour et qu'on aime les packs. On va commencer par des petits packs or avec un seul joueur or rare, voilà. On skip s'il n'y a pas de joueur or rare. Alors, il n'y a pas de joueur or rare, on skip, ça ne nous intéresse pas. Bim, bim, bam, ok. Donc il n'y a vraiment rien de bien, on va tout conserver dans le club malgré tout, c'est toujours intéressant. Deuxième pack, c'est parti. Et toujours pas de joueur en rare, ça tombe bien, ça marche bien ces packs. Hein. Et notre joueur rare, c'est qui? C'est un argent, il s'appelle... Ouh, j'aime... La peucou, je valide pas trop. Même si la mienne... Vas-y, ça passe. Et voilà, j'ai changé de coupe, attention c'est parti, là on aura peut-être un joueur sympa. C'est parti, le suspense est là. Allez, un joueur or... Oui, joueur or rare, pas d'animation, c'est bien, on s'amuse bien sur cette chaîne. Ah, c'est de la merde. Morale de l'histoire, ouvrez des packs, hein, c'est vraiment une bonne affaire. Au goal, j'ai mis Lafond. Pourquoi Lafond? Parce que j'hésitais entre lui et Areola. Je me suis dit qu'Areola, on l'avait déjà pas mal vu, donc on allait tester Lafond. Et c'est vrai que c'est un gardien pas trop mauvais, je lui donne du crédit et j'espère qu'il sera transféré dans un plus gros club pour qu'il puisse montrer bah, son niveau, un plus haut niveau tout simplement. Mais bon, c'est un mec qui est encore très jeune, il a le temps. Ensuite, en défense, j'ai mis Théo Hernandez, Kimpembe, Lucas Hernandez et Pavard. Pourquoi ces joueurs-là? Bah les frères Hernandez, parce qu'ils sont pas assez cotés en France, qu'on n'en parle jamais. Donc je vais prendre la responsabilité d'en parler aux yeux de la France. Donc c'est parti, on en parle. Ils sont très bons. Faites-les jouer plus souvent, que ce soit dans leur club ou dans leur sélection, qui est la sélection française. Et ensuite, j'ai mis Kimpembe, qui est un joueur qui mériterait de jouer plus forcément, mais bon, il a une concurrence tellement élevée. Ce serait sympa de le voir prêter dans un club, je sais pas, bah tiens, la filière avec Valence marche bien, prêtez-le à Valence, voir ce que ça donne. J'aimerais bien le voir jouer titulaire H24. Et ensuite, oui les mecs, oui j'ai suivi la hype, Benjamin Pavard, c'est fait, c'est comme ça. Au milieu de terrain, j'ai mis un de nos viviers les plus prolifiques, Anthony Martial et Ousmane Dembélé, voilà les mêmes joueurs, sauf qu'ils sont un côté et l'autre du terrain, qui en a un peu plus technique et l'autre un peu plus rapide. Tout simplement des superbes pépites qui jouent dans certains des meilleurs clubs du monde, que ce soit le Barça United. Donc voilà, déjà des joueurs qui sont voués à un bel avenir. Et ensuite, au milieu de terrain, j'ai mis le duc Adrien Rabiot, tout simplement parce qu'à son poste actuellement en France, il est déjà en équipe de France à son âge et que c'est, il pourrait être titulaire si Vivier était moins important actuellement. Et ensuite, Lucas Touzard, que je trouve très intéressant à Lyon cette saison, qui prend une nouvelle dimension. Espérons qu'il arrive encore à progresser pour pas qu'il stagne au niveau Gonalon et qu'il puisse passer au niveau, je sais pas, Yaya Touré, tiens. Même si ça n'a aucun rapport avec la France. Et en attaque, j'ai fait une attaque 100% parisienne, l'attaque Dembélé Mbappé. Je vous les présente pas, vous les connaissez. Dembélé qui a failli signer à l'Olympique de Marseille cette saison, qui a même failli signer dans beaucoup de clubs d'Europe, et Mbappé, le néo-parisien, en tout cas néo-joueur du Paris Saint-Germain, parce que c'est un parisien de base, qui est arrivé de Monaco. Très bon joueur, j'ai déjà joué avec lui, regardez-moi ça à l'écran. Il a 8 matchs, 7 buts, 5 passes D, c'est vraiment un super joueur. On peut dire c'est un peu cher Mbappé pour ce que c'est, mais c'est vrai que c'est quand même un joueur très bon. Et même si en vrai c'est pas un top player, pas encore, j'espère qu'il le deviendra, bah sur FUT c'est déjà un joueur balèze. Alors, il nous présente quoi pour affronter cette petite équipe? Une équipe de merde, mais une équipe avec Thierry Henry, donc on va se méfier. Et puis l'équipe Pembe aussi, et Areola, c'est un peu mon équipe, non. En tout cas, il a un uniforme d'Arsenal, je sais pas qui c'est. C'est une carte chelou, on dirait qu'il est... Bon, je pense qu'il n'existe pas ce joueur, je sais pas qui c'est. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, il fait déjà pause, ça annonce un adversaire de qualité. Allez Mbappé, en poteau de Mbappé. Anthony Martial, sur le côté. Fais la différence, gamin. Fais-la, Martial. Oulala, ça a lâché des petits cris de lâche, là. C'est pas bien de faire ça. Oh, cette passe, c'est quoi cette Rabiot, il est sous-côté dans ce jeu. C'est quoi cette frappe de Rabiot? Alors d'accord, c'est pas un frappeur, etc. Mais quand même. Là, c'est donné.
Et ce qu'il a fait? Oui, je me décoiffe au fur et à mesure de la vidéo, vous inquiétez pas pour ça. Mais il s'est passé quoi sur cette action? Bon, ok, pas d'explication, merci, bonne soirée. Un jour, un but viendra. Je me fais affreusement chier. Ce match est long. Waouh! Waouh! On se prend des coups francs! Waouh! Et ouais, salut, ça déconne pas. Retour sur YouTube, on rigole pas. Tu rigoles toi? Moi, je rigole pas trop parce que. Compliqué. Ouh, Pavard, il rattrape Thierry Henry. Ouloulou! Ouloulou! Mi-temps, toujours 1-0 pour lui sur coup franc. Et capillairement, ça vient le bout du bout. Proposez-moi des coupes dans les commentaires. Pour être mieux référencé, tout ça n'est qu'une calomnie. Non, proposez-moi pas de coupes, on s'en fout. Les cheveux, ils poussent. Et un jour, je vais les couper. Je lui demande de couper court et il coupe. Court, c'est QFD. Bien joué, toi. Oh, c'est pour Martial. Martial! Oh oui, on est fou. On est fou, on se décoiffe. On a marqué un but avec Anthony. Martial, parce que Martial, c'est impartial. Ça, c'est presque bien comme rime. C'est presque bien et presque stylé. Allez, c'est parti. Mbappé! 2-1. Hors jeu. 2-1, rien du tout. Bonne soirée. C'était tout pour moi. Oh, c'est rudement bien mené. C'est rudement bien mené cette attaque. Djorkaeff, il est parti. Mais quand il revient, il marque des buts. Putain de merde. Ça c'est beau, ça c'est beau. Ah oui! Oh, t'enroules. C'est quoi cet enroulé, moi? Eh, ils l'ont fait jouer avec sa blessure ou c'est comment? Martial, t'enroules! Martial, triplé. Je peux vous dire que ce joueur-là, vous le savez sûrement déjà, parce que vous avez fait 800 fut champion, ce qui n'est pas mon cas. Mais si vous l'avez toujours pas testé, il est pas mal. Il est pas mauvais, quoi. Voilà. Ça change de Rabiot, quoi. Oui, mais t'es un haters du PSG. Martial, mais tout lui réussit aujourd'hui. Tout lui réussit. Oh, poteau. Oh, ça reprend. Oh, bah oui, but. C'est qui? C'est qui, tout? C'est Pavard. Oh, c'est le Duc. J'ai craché sur le Duc. Louis XV Rabiot. Louis XVIII vient de marquer. Adrien XVIII. C'est d'ailleurs mon prénom. On a le même prénom. Peut-être pour ça que ça ne marche pas. Deux personnalités trop rocambolesques. C'est fini, on a gagné, Usain Bolt sort de ce corps, c'est parti. Martial, meilleur homme du match. Petit débrief de l'équipe vite fait. Martial, Mbappé, Dembélé, c'est génial. Au milieu de terrain, c'est un peu moyen, même nul on va dire. Et puis bah, oubliez pas, hein, en défense centrale, Kimpembe, c'est du sale. Sinon après, rien de spécial à retenir de cette équipe. C'était Joe, j'espère que la vidéo t'a plu. Bye.